Alain, propos d'un Normand. L'amoureux au désespoir. Quand je lis le récit de tous ces crimes passionnels que le printemps ramène, je pense à l'histoire qui me fut contée, d'un jeune homme qui pensa mourir d'amour parce que sa maîtresse se fit boucher une dent creuse. D'abord, la dame souffrit des dents, d'où mauvaise humeur, dont elle ne voulait pas avouer la cause, ce qui conduisit l'amoureux aux suppositions les plus extravagantes. Les femmes excellent dans l'art de laisser deviner les pensées qu'elles n'ont point. Notre jeune homme donc se mit à retourner d'une bêche fiévreuse le champ des conjectures. Travail malsain et qui, par lui-même, produit la fatigue et enfin la tristesse. Mais bien mieux. La dame alla chez le dentiste. Non seulement ce furent des heures de moins pour l'amoureux, mais le dentiste pansa la dent creuse au moyen d'un antiseptique violent dont le bien-aimé, comme vous pensez, n'aurait pas été le dernier à sentir l'odeur pharmaceutique. Il fallait donc écarter le bien-aimé, justement, de ce qu'il désirait le plus, sans lui en donner la véritable raison. Alors, la crise de dents et la crise de dentiste se transformèrent en une crise psychologique. Il y eut des discours et des lettres sur la destinée, sur les caractères, sur la sincérité, sur la liberté, sur la fidélité, sur la jalousie, sur la société et sur les méchants. Ces discours n'étaient rien, mais comme l'amoureux était privé en même temps de ce qui aurait pu les lui faire supporter, il se mit à composer d'autres discours qui répondaient à ceux-là. Jour et nuit, il les refaisait dans sa tête, en sorte qu'il devint à peu près fou, quitta son énigmatique maîtresse et allait tout droit à la rivière, quand il eut la chance de rencontrer un sage. 11 mars 1907.